pas, ta puissance ne faillira pas, ta gloire ne faillira pas, et ta parole demeure la même. Je viens ce soir à ton peuple. Je demande que ce soir, les vies soient changées au nom de Jésus-Christ. Que tu fasses déplacer les montagnes au nom de Jésus-Christ. Que tu fasses des prodiges dans toute vie au nom de Jésus-Christ. Change les vies. Sauve les âmes. Guéris les malades. Détruis les œuvres du diable. Affranchis ton peuple. Glorifie le nom de Jésus-Christ. Je te remercie parce que je sais que tu as exaucé. Au nom de Jésus, j'ai prié. Donnez-moi un bon amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je lis de Ésaïe 55. Ésaïe 55, verset 22. Ésaïe 45, verset 22. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, car je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre. Ici, le Dieu Tout-Puissant vous parle. Il vous parle en tant qu'individu. Il s'adresse à vous en tant que famille. Il s'adresse à vous en tant que communauté. Il s'adresse à vous en tant qu'un groupe d'individus. Vous voulez quelque chose de Dieu et vous voulez que Dieu vous bénisse. La puissance de Dieu est ici ce soir. La puissance pour guérir, la puissance pour sauver, la puissance pour affranchir, la puissance pour détruire les œuvres du diable. C'est pourquoi Dieu vous appelle. Il dit, vous voulez voir un miracle, tournez-vous vers moi. Vous voulez être sauvé, tournez-vous vers moi. Vous voulez être guéri, tournez-vous vers moi. Vous voulez que la montagne soit déplacée et que tournez-vous vers moi. Vous voulez que la puissance de Dieu descende du trône de Dieu et coule dans votre vie et touche votre vie. Tournez-vous vers moi. Et puis dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Et puis il vous l'annonce qui il est. Il dit, car je suis Dieu. Il dit, je suis le Créateur. Je suis le Rédempteur. Il dit, je suis la puissance par-dessus toute autre puissance. Il dit, qu'il a la force et la puissance. Il est El Shaddai. Il est Jéhovah Dieu dans les cieux. Il est celui qui peut tout faire. C'est pourquoi il vous appelle ce soir et dit, tournez-vous vers moi. Faut pas vous tourner vers quelqu'un d'autre, tournez-vous vers moi. Faut pas vous tourner vers la rivière, tournez-vous vers moi. Faut pas vous tourner vers la montagne, mais tournez-vous vers moi. Faut pas vous tourner vers une autre personnalité, mais vers moi. Il dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Et puis il dit, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Cela veut dire que vous soyez au nord ou bien au sud, que vous soyez de l'est ou bien de l'ouest, partout où vous trouvez et que vous cherchez le salut du Seigneur, vous cherchez la délivrance du Seigneur, vous cherchez la guérison du Seigneur, et dit, tournez-vous vers moi et le salut vous sera donné. Le salut vient à quelqu'un ce soir. Où êtes-vous là-bas? Le salut vient. Je dis, où êtes-vous là-bas? La guérison vient. Où êtes-vous là-bas? Votre délivrance vient. C'est pourquoi il dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Regardez le moulin. Et vous serez sauvés. Voyez, pensez à cela. Et vous serez sauvés. Nous parlons du salut. Pourquoi le salut? Les merveilles du salut. Les merveilles du pardon. Les merveilles de la rédemption. Les merveilles de la puissance de Dieu touchant votre vie. Les merveilles de la guérison, les merveilles de la délivrance, les merveilles de miracles et les merveilles de Jésus-Christ venant ébranler tout ce qui doit être ébranlé de votre vie. Les merveilles de la percée, les merveilles de posséder votre possession et le salut, un salut total, ce qui rend le salut nécessaire. Pensez à la nécessité du salut. Pensez au besoin de salut. Pensez à la nature du salut. Laissez-moi vous dire l'histoire. Dieu a créé Adam et Ève. La première personne, le premier homme qui a vécu sur cette terre,
après que Dieu a tout créé dans l'univers, il a mis Adam ici. Il a placé la femme ici. Et il leur a donné un commandement. Il a dit, il y a un arbre particulier. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit, vous ne devez pas manger de son fruit. Il leur a donné un commandement. Ils se sont rebellés, ils ont désobéi au commandement de Dieu. Ils se sont rebellés contre l'ordre de Dieu. À cause de cette désobéissance, l'homme a chuté de la grâce à la décadence. Il est tombé de la faveur au puits. Il est tombé de la domination au puits des ténèbres, à l'abîme des ténèbres. Ça, c'est la chute de l'homme. Cette chute de l'homme a affecté l'univers entier. Cela a affecté tout le monde né d'Adam et d'Ève. Le péché est entré. Les maladies sont entrées. La souffrance est venue. L'angoisse est venue. À cause de cette chute de l'homme, maintenant nous avons besoin du salut. Parce que maintenant, nous suivons Adam et Ève. Ils sont rebelles, ils étaient rebelles, nous sommes rebelles. Ils étaient pécheurs, nous sommes pécheurs. Ils ont échoué, Dieu, nous avons échoué. Ils sont tombés, nous sommes tombés. À cause de la chute, il y a une condition sur l'homme. Il y a une condition, un état de mal, un état de dépression. On a un état d'oppression, de souffrance. Et là, un état de chagrin. Nous avons besoin du chagrin. Nous avons besoin du salut pour nous en sortir. À cause de ce qu'ils ont fait, le péché est venu sur l'humanité entière parce qu'ils ont chuté de la grâce de Dieu, de la faveur de Dieu. À cause de cela, ils ont chuté de la bonté de Dieu, de la nature à laquelle ils ont été créés. Le péché vient dans toute vie. C'est la conséquence de la chute. Et maintenant, nous avons besoin du salut numéro 1 de l'état de la chute. Nous avons besoin du salut de la conséquence de cette chute. 3, nous avons besoin de la condamnation qui est venue à cause de la chute. Parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc le verdict, la sentence, la pénalité de la cette mort, la mort spirituelle, la mort physique, la mort éternelle, le jugement qui vient après ce péché, ce jugement est venu sur nous. Et à cause de cela, nous voulons être affranchis de ce jugement. Donc on a besoin du salut. Le salut de l'état de la chute, le salut de la conséquence de la chute, le salut de la condamnation de cette chute. Et ne pouvons pas nous sauver. Ne pouvons pas élire quelqu'un. Ne pouvons pas nommer quelqu'un. Ne pouvons pas dire à quelqu'un que toi, tu seras notre sauveur. Tout le monde a besoin du salut. Donc on ne peut pas sélectionner un pécheur comme nous-mêmes, un homme déchu comme nous-mêmes, une femme déchue comme nous-mêmes, pour dire que tu seras mon sauveur. Non, il ne peut pas nous sauver. Personne sur la terre ne peut nous sauver. C'est pourquoi Dieu lui-même, il a pris l'initiative sur lui-même. Et il a dit, je vais te sauver. Ce soir, le Seigneur dit qu'il va te sauver. Il n'y a personne qui puisse te sauver. Dieu va te sauver ce soir. Quelqu'un là-bas, je dis, Dieu va te sauver ce soir. Quelqu'un là-bas, je dis, Dieu va te sauver ce soir. Où es-tu là-bas? Le salut, je dis, où es-tu là-bas? Le salut, la nécessité du salut, l'urgence, le besoin du salut, la nature de ce salut. Quelle est la nature du salut là-bas? Dieu vous fait ôter du péché. Et Dieu supprime la conséquence du péché. Et enlève le chagrin du péché. Il enlève la souffrance du péché. Et la maladie qui vient, qui suit le péché, est totalement effacée. La nécessité du salut, c'est ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas? Dites-le moi, oui. Cela vous parviendra là-bas. Cela va toucher votre vie. Cela va changer votre vie.
cela va vous affranchir. Vous affranchir de l'état de la chute. Vous affranchir des conséquences de la chute. Vous affranchir de la condamnation de la chute. Et la puissance de Dieu vous atteindra. Parce que Dieu lui-même vous a invité. Et il a dit, tournez-vous vers moi. Et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Et dit que, car je suis Dieu. Pas j'étais Dieu. Oui, il était. Oui, pas que je serai. Oui, il le sera. Mais le même Dieu hier, le même aujourd'hui, le même pour toujours. Celui qui a dit, je suis Dieu, je ne change pas. Il était, il est et il sera toujours. C'est pourquoi il dit, il a tout combiné. Le passé, le présent et le futur. Et il dit, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. C'est pourquoi Dieu vous appelle ce soir. Il vous appelle ce soir. Quelqu'un l'avait dit, Dieu vous appelle ce soir. Où êtes-vous? Dieu vous appelle ce soir. Où êtes-vous? Dieu vous appelle ce soir. Et dit, tournez-vous vers moi. Faut pas vous tourner vers la montagne, tournez-vous vers moi. Faut pas vous tourner vers la rivière, tournez-vous vers moi. Faut pas vous tourner vers un homme, tournez-vous vers moi. Et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car parce qu'il est capable de faire ce qu'il a promis de faire. C'est pourquoi il dit, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Tournez-vous vers moi et vous serez guéris. Tournez-vous vers moi et vous serez délivrés. Tournez-vous vers moi et vous serez affranchis. Tournez-vous vers moi et vous aurez la domination. Tournez-vous vers moi et vous serez vainqueur. Tournez-vous vers moi et vous aurez la victoire dans votre vie. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je parle ce soir des merveilles surnaturelles pour tous. Les merveilles surnaturelles pour tous. Vous verrez les merveilles de Dieu ce soir. Quelqu'un là-bas verra les merveilles de Dieu ce jour. Vous verrez le pardon du Seigneur. Vous verrez la rédemption du Seigneur. Vous verrez le salut du Seigneur. C'est exactement ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit qu'il fera. C'est pourquoi il vous invite. C'est pourquoi il vous appelle. Et il dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Tournez-vous vers moi, vous serez sauvés de l'état de la chute. Vous serez sauvés de la conséquence de la chute. Vous serez sauvés de la condamnation de la chute. Parce que dit, car je suis Dieu, je suis en mesure de le faire. Je suis Dieu, je vais le faire. Si tu vas venir, si tu vas répondre, si tu diras oui, Seigneur, me voici, je viens à toi. Parce que tu as dit que tu vas me sauver. Que tu vas faire ce que il fera ce qu'il a promis de faire. Parce qu'il est Dieu et il n'y en a point d'autre comme lui. Les merveilles surnaturelles, cela vous atteindra. Et cela vous atteindra. Les merveilles surnaturelles pour tout le monde. Nous allons voir trois points. Comme je vois ce verset de l'Écriture. Numéro 1, l'appel gracieux à son salut. L'appel gracieux à son salut. Il a le salut en main. Il a le salut à vous donner. Il a le salut à déposer dans votre vie. Et il vous appelle. Et c'est l'appel immérité. C'est l'appel pour lequel vous ne pouvez pas payer. C'est l'appel que vous ne pouvez pas payer. L'appel gracieux à son salut. Numéro 2. La grande cure de vos maladies. Cela fait partie du salut. Cela fait partie de la liberté. Cela fait partie de la délivrance. Cela fait partie de la rédemption. La cure, la grande cure. Pas seulement pour les maladies en général, mais pour vos maladies en particulier. Quelqu'un là-bas, vous serez guéri ce soir. Quelqu'un là-bas, vous serez guéri ce soir. Pas à cause de la grande cure de vos maladies. Numéro 3, c'est la conversion glorieuse par le Sauveur. La conversion glorieuse par le Sauveur. Vous viendrez au Seigneur.
vous allez répondre à l'appel du Seigneur. Et sa cure vous touchera. Sa conversion viendra à vous. Sa transformation viendra à vous. Sa puissance va briser toujours dans votre vie. Donne-moi un bon amen. Venons au numéro 1. L'appel gracieux. Vous voyez, vous n'avez rien fait pour mériter cet appel. C'est un don gratuit de Dieu. C'est à cause de l'amour de Dieu. C'est à cause de la compassion du Seigneur. Voici le cri de la miséricorde de Dieu. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Toi dans le monde. Parce que Dieu a tant aimé le monde. L'homme là dans le monde. Parce que Dieu a tant aimé le monde. La femme là dans le monde. Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque, je cherche la personne là, quiconque, je cherche la personne là, quiconque, je dis, je cherche lui, je la cherche, quiconque, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. C'est pas la grâce, c'est pas l'amour de Dieu, c'est pas la miséricorde de Dieu, c'est pas la compassion du Seigneur, afin que quiconque croit en lui. C'est lui qui est mort pour nous à la croix du calvaire. Ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle viendra à vous ce soir. Cela parle de son salut. Le salut qu'il a donné. C'est pourquoi il dit, tournez-vous vers moi. Tournez vos regards vers le Seigneur. Tournez votre focalisation vers le Seigneur. Tournez votre foi vers le Seigneur. Tournez votre attente vers le Seigneur. Votre confiance en le salut, ce n'est pas en l'œuvre de vos mains. En regardant à vous-même, je suis un bon homme, je suis une bonne femme. Votre attente du salut, ce n'est pas en vous-même. En vous regardant, en disant que je donne de l'argent aux mendiants, j'ai aidé quelqu'un qui était pauvre, j'ai vêtu les dénudés, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Alors, vous regardez à vous-même pour le salut. Vous ne pouvez pas être égal à Dieu. Vous n'êtes pas aussi juste que Dieu. Vous n'êtes pas aussi saint que Dieu. Vous n'êtes pas aussi puissant que Dieu. Vous ne pouvez pas vous sauver. Détournez-vous de vous-même. Et tournez-vous vers moi. Il y a des gens qui tournent vers quelqu'un d'autre. Ils ont quelqu'un à qui ils regardent qu'il va me sauver. Non, non, non. Il ne peut pas te sauver. Tout le monde a besoin du salut. La personne que vous regardez a besoin du salut. C'est pourquoi c'est dit, détournez-vous de lui et détournez-vous d'elle et détournez-vous de ce que vous regardez. Et dit, tournez-vous vers moi, tournez-vous vers moi. Jésus est mon sauveur. Quelqu'un là-bas, Jésus est mon sauveur. Il faut le dire pour vous-même, Jésus est mon sauveur. Il faut le crier, Jésus est mon sauveur. Oui, il est mon sauveur. Jésus est mon rédempteur. Pour vous entendre, Jésus est mon rédempteur. Détournez-vous de vous-même. Détournez-vous de toute autre personne. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous qui êtes aux extrémités de la terre. Il dit, tournez-vous vers moi. Il est le Dieu Tout-Puissant qui parle. Il est votre Créateur qui parle. C'est votre Rédempteur qui parle. C'est pourquoi il dit, c'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ à la croix du calvaire. Et il dit, il va vous sauver. C'est ce que l'ange a dit. Il enfantera un fils. Cela parle à Marie la Vierge. Il enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est ce soir, cela va se passer. Dis, ce soir, cela va se passer. Où êtes-vous là-bas? Je le cherche. Je dis, cela va vous arriver. Cela va vous arriver. Je veux que vous répondiez à l'appel de Dieu. L'appel gracieux. L'appel gracieux. À son salut. Ce n'est pas seulement le salut ordinaire. C'est le salut qui vient de la main du Seigneur. Son salut. Quel type de salut est-il? C'est le salut
Être sauvé du péché, c'est d'être sauvé de la servitude du péché, c'est être sauvé des liens du péché, c'est être sauvé de la puissance du péché, du pouvoir du péché, c'est être sauvé de la souillure des péchés. Ouais, le péché, le pécheur est souillé, le pécheur est sale. Et quand vous faites ces choses sales là, vous dites ces mauvais langages et vous visitez ces lieux mauvais là, vous fumez de mauvaises choses, vous touchez ces choses sales là et vous avez bu cette mauvaise chose et vous êtes condamné devant Dieu. Devant le Seigneur, vous êtes sale. Et maintenant, il dit, j'ai le salut. Et personne n'a le salut comme lui. Il n'y a personne qui ait le don là comme lui. Tout autre salut que vous aurez quelque part est un faux salut. C'est un salut de qualité inférieure. C'est un salut léger qui n'a pas de poids. Le salut qui vient de Dieu vient du calvaire. Cela vient par la mort de Christ. C'est pourquoi il dit, tournez-vous vers moi. Tournez-vous vers moi. Il vous appelle. C'est un grand appel. Quand quelqu'un vous appelle, vous devez lui répondre. Quelqu'un veut te donner quelque chose de bon. Et il t'appelle par ton nom. Tu dois tourner et lui répondre. Tu dis que oui, c'est moi. Que j'ai un miracle ici. Et il appelle le nom de la personne, le bénéficiaire. Tu dis que oui, ça c'est mon nom. Ça c'est mon nom. Dieu dit que j'ai le salut ici. Et il a appelé le nom de la personne pour le salut. Tu dis que ça c'est mon nom. Je dis ça c'est votre nom. Je dis ça c'est votre nom. Pourrais vous attendre? Où êtes-vous? Pourrais vous voir? Vous allez répondre à l'appel de Dieu. Parce que Dieu vous appelle. L'appel gracieux à son salut. Quand il m'appelle, quand il m'appelle, quand il m'appelle, le donateur de la vie, quand il m'appelle, le donateur du pardon, quand il m'appelle, le donateur du salut, quand il m'appelle, le donateur de la vie éternelle, quand il m'appelle, je lui répondrai. Je lui répondrai. Quelqu'un là-bas, ce soir, vous allez répondre. Il appelle votre nom. Vous allez lui répondre. C'est quoi il dit? Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Prenez mon salut. Prenez mon pardon. Prenez ma transformation de vie. Et il dit, et vous serez changés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, tout le monde sur la face de la terre a le salut. Il a le salut qui vous attend. Mais une partie du salut là, numéro 1, il vous sauve du péché. Numéro 2, il vous sauve des maladies. La maladie dans votre vie, il va vous en délivrer. Il va vous faire ôter de la maladie. Il va ôter la maladie de vous. Il va ôter la cécité de vous ce soir. Et les béquilles là, le soutien que vous utilisez comme deuxième puis troisième pied, vous n'en aurez plus besoin. Il va fortifier vos jambes naturelles, les oreilles qui n'entendent pas. La puissance de Dieu va frapper vos oreilles. Quel que soit ce qui vous empêche d'entendre, quel que soit ce qui barre, obstrue ses oreilles, le Seigneur va ôter l'obstruction de là. Donnez-moi un bon amen. Et puis, ce qui dérange votre voix, vous ne pouvez pas parler, vous n'avez pas la fondation, l'appétence de Dieu va frapper. Parce qu'il vous donne, il vous donne le salut, il vous sauve du péché. Il vous sauve, il donne le salut de la maladie. Le cancer va sécher. L'ulcère va sécher. L'hernie va disparaître. La tuberculose va quitter ce soir. Et toutes ces infirmités, ces maladies qui se trouvent là, vont quitter ce soir. À cause de numéro 2, deuxième point, la grande cure de vos maladies. La grande cure, la grande guérison, la grande cure de vos maladies. J'ai lu d'un homme dans la Bible. Cet homme dans la Bible était aveugle, ne pouvait pas voir. Et puis, il voudrait recouvrer sa vue. Il a appris que Jésus de Nazareth passait. Et il savait
que si je pouvais être avec lui, il savait si il peut toucher ma vie. Il savait que si je peux répondre à son appel, que je recouvrais ma vision. Et puis, il criait après Jésus. Jésus, aidez-moi à crier le nom là. Aidez-moi à crier le nom Jésus. Aidez-moi à crier le nom Jésus pour la troisième fois. Il a crié Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et les gens disent, tais-toi là-bas. Et ferme ta gueule. Et tu nous déranges, tu fais tant de tapage. Et en criant Jésus, cela les dérange. L'homme a continué à crier de plus. Jésus! Je crois que vous allez m'aider à crier encore le nom. Jésus! Aie pitié de moi. Et Jésus l'a touché. Jésus s'est arrêté. Jésus va vous attendre ce soir. Il va vous toucher ce soir. Il va vous appeler ce soir. Il va ouvrir les yeux aveugles ce soir. Il va changer votre vie ce soir. Celui qui allait guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, il va vous toucher ce soir. Et il va vous atteindre ce soir. Et dit, ce programme est pour vous. Le programme d'aujourd'hui, c'est pour vous. C'est merveilleux. C'est pourquoi il dit, tournez-vous vers moi. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous serez sauvés de la maladie. Vous serez affranchis de la maladie. Vous serez affranchis de cette infirmité. Dès que vous ôtez votre esprit de toute chose, autre chose, vous dites que ben, je regarde Jésus. Il est le grand médecin. Il est le grand docteur. Il est la puissance de Dieu dans l'homme. C'est lui qui peut briser toujours. C'est lui qui est en mesure de détruire les œuvres du diable. Oui, je me regarde fixé sur Jésus ce soir. Cette guérison va toucher votre vie ce soir. La délivrance vous sera donnée ce soir. La grande cure de vos maladies. Et cet homme disait, Jésus, aie pitié de moi. Jésus s'est arrêté. Il dit, appelez-le. Et que, prends courage. Prends courage. Prends courage. Il t'appelle. Il va vous toucher ce soir. Je dis, il va vous toucher ce soir. Et il est arrivé. Et lorsqu'il venait là, il savait que l'étiquette de la cécité, c'est-à-dire le vêtement qu'il a porté, il l'a jeté. Parce qu'il n'en a plus besoin. Parce que ses yeux aveugles vont s'ouvrir ce soir. Quelqu'un là-bas, je dis, les yeux aveugles s'ouvriront ce soir. Vous allez voir clair. Les ténèbres vont fuir. Tous les problèmes de vision vont quitter. Les bandes que le diable a utilisées pour bander vos yeux, ce bandage sera ôté ce soir. Et Jésus a dit, mais que veux-tu que je te fasse? Pourquoi tu appelles mon nom? Et l'homme a dit, oh, que je recouvre la vue. Que je recouvre la vue. Et Jésus a dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Quelqu'un là-bas manifeste la foi ce soir. Et quand ma foi se joint à ta foi, et ta foi se joint à la mienne, ce soir, où êtes-vous là-bas? Je dis ce soir. Où est-elle là-bas? Ce soir. Où est-il là-bas? La guérison va venir sur votre corps. Il va vous affranchir. Tous ces liens seront coupés. Ces jours seront brisés. Les choses qui t'ont lié ce soir, c'est la nuit de votre liberté. Affranchissement. C'est la nuit de votre liberté. La nuit de votre guérison. Le soir de votre délivrance. Voilà la femme là. Elle avait la perte de sang pendant 12 ans. Et elle a visité tous les lieux et des gens qu'elle croyait pouvoir la guérir. Elle a dépensé toutes ses ressources. Et les choses allaient empirant. Elle a appris parler de Jésus. Comme ce soir, vous avez entendu parler de Jésus. Et vous êtes arrivé. Vous êtes venu à un bon lieu. Vous êtes venu à une bonne personne. Ce Jésus, il n'échoue jamais. Et sa touche ne fait pas défaut. Sa parole ne faillit pas. Sa puissance ne faillit pas. Oui, son autorité n'échoue jamais. Son onction n'échoue jamais. Et il va venir à vous ce soir.
Jésus va vous toucher. Il va vous guérir. Il va vous délivrer. Et la femme a appris, a entendu parler de Jésus. Elle dit, si je peux toucher le pan de sa robe, de son vêtement, je serai guéri. C'était une grande foule. C'était une grande multitude. Pour arriver à Jésus, était un problème. Mais elle l'a fait. Vous allez venir à Jésus ce soir. Vous allez venir à Jésus ce soir. Où est-elle là-bas? La personne viendra à Jésus. Où est-il là-bas? La personne viendra à Jésus. Et quand vous arrivez à Jésus ce soir, vous allez le toucher par la foi. Sa vertu va couler à votre corps. Sa puissance va rentrer dans votre corps. Et aussitôt qu'elle l'a touché, 12 ans de perte de sang s'est arrêté aussitôt, a séché. Et les années de votre souffrance vont quitter ce soir. Les années de votre maladie vont quitter ce soir. Toutes vos maladies de longue date et infirmité là vont quitter ce soir. Parce que ce soir, c'est soit pour vous. C'est le soir où le Seigneur vous touchera. C'est le soir où le Seigneur va ôter la maladie de vous. Et l'opprobre de la maladie là sera ôté. La souffrance de la maladie là sera ôtée. La douleur de cette infirmité sera ôtée. Ce soir, tout va disparaître au nom de Jésus-Christ. Et dès qu'elle a touché Jésus, toutes ces choses ont séché aussitôt. La chose là qui coule, qui sort de votre corps, qui tourne votre corps, ce soir, toute chose va sécher. Le cancer va sécher. Le sang va sécher. L'ennemi là va sécher. La maladie là va disparaître. Parce que le nom là est toujours puissant et fort aujourd'hui. Le nom là guérit toujours l'incurable aujourd'hui. Et le nom là guérit les malades aujourd'hui. C'est pourquoi c'est dit. Tournez-vous vers moi. Tu es malade, tournez-vous vers moi. Tu es infirme, tournez-vous vers moi. Tu es impuissant, tourne-toi vers moi. Tu es faible, tourne-toi vers moi. Tu es anémié, tourne-toi vers moi. Tu meurs, tourne-toi vers moi. Et tu seras sauvé, et tu seras guéri. Et dit, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Et puis il dit, parce que je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, le soir, elle en amène beaucoup de paralytiques. Et on les a amenés à Jésus. Et on nous a dit, Il les a guéris tous. À ma gauche, là-bas, il y aura de guérison. Devant moi, il y aura la guérison. Merveilleux. À ma droite, il y aura la guérison. Un miracle de guérison et de délivrance vous parviendra. Partout où vous êtes ce soir, Jésus est ici. Jésus va vous sauver. Il va vous guérir. Il va vous délivrer. Il vous affranchira. Je dis, il vous affranchira. C'est pourquoi il vous appelle. C'est pourquoi il vous invite. C'est pourquoi il dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Tournez-vous vers moi et vous serez guéris. Tournez-vous vers moi et vous serez affranchis. Tournez-vous vers moi et vous serez délivrés. Tournez-vous vers moi et que la montagne se déplace. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Numéro 1, c'est la paix gracieuse. Numéro 2, c'est la grande cure. Numéro 3, c'est la grande conversion par le Sauveur. La grande conversion par le Sauveur. Qu'est-ce que la conversion? Vous savez, parfois, vous entendez parler de la conversion. Il y a un bâtiment et le bâtiment là, c'est comme inutile. C'est comme presque un bâtiment inutile. Et le dehors, en le regardant, on dit, qui vit ici là? Et un riche a acheté l'immeuble là et veut le convertir. Et il veut rénover cela et puis mettre des bureaux là-bas. Et il met des clims et il met l'équipement là-bas. De bons meubles. Il a changé les portes, les fenêtres. Il a changé la toiture. Et comme vous passez,
Vous voyez les voitures qui sont garées devant l'immeuble là. Alors, il a converti la maison inutile là en un immeuble utile. C'est la conversion. Quand vous voyez votre vie et le péché ne vous a pas permis de faire ce qui est bon. Les bonnes choses que vous voulez faire, vous ne pouvez pas les faire. Les bonnes choses que vous n'aimez pas faire, c'est ce que vous faites. Et le péché a nui à votre vie. Le péché a ruiné votre vie. Un temple, mais inutile. Une maison, mais inutile. Un bâtiment, mais sans aucune valeur. Et ici, Jésus est venu. Il vient avec les richesses du ciel. Il vient avec le trésor du ciel. Il vient avec les instruments du ciel. Il vient avec tous les outils du ciel. Il vient avec la puissance du ciel. Il vient avec la gloire céleste. Et il change le bâtiment là. Je parle de votre vie. Et change votre vie. Et transforme votre vie. Et ce qui était inutile est devenu maintenant digne d'être regardé. Ce qui était inutile maintenant est utile. Ce qui était comme une paperasse est devenu maintenant profitable et utile. La conversion, cela change votre vie et il rend votre vie qualifiée pour le ciel, propre, appropriée pour Dieu et pour la justice. La conversion glorieuse par le Sauveur. C'est pourquoi Dieu vous appelle. Il veut rendre la vie mauvaise là bonne. Cette vie mauvaise là deviendra bonne ce soir. Je dis la vie mauvaise là deviendra bonne ce soir. Pour vous attendre, je dis la vie mauvaise là deviendra bonne ce soir. Vous savez, comment vous dites que oui, je suis déjà bon. Vous avez besoin de la conversion. Vous voyez, de bonnes choses. Il y a des gens bons, il y a de bons gens qui ne savent pas qu'ils ont besoin du salut. Il va vous faire quitter de bon en meilleur. Êtes-vous là, je parle à vous. La bonne vie là deviendra meilleure ce soir au nom de Jésus. Parce que partout où Jésus vient, quel que soit combien vous êtes bon, combien vous êtes merveilleux, quand Jésus vient à vous, et Dieu va regarder quelque chose là-bas. Il dit, oui, tu es bon, mais regarde ce domaine. Tu parles bien, mais regarde ce domaine de ta vie. Tu t'habilles bien, mais regarde ce domaine de ta vie. Oui, tu te tiens bien, mais regarde ce domaine. Et tous ces domaines que personne n'a remarqué, le Seigneur va rendre ce qui est bon en meilleur. La conversion vient. Voilà, à qui la conversion vient ce soir? Il dit, où est-ce que la conversion va aller ce soir? La conversion, la glorieuse conversion, un glorieux changement, une glorieuse transformation que le Seigneur veut faire ce soir. Ce soir, c'est pour vous. Ce soir, c'est votre soir. Il faut le dire pour vous-même. Ce soir, c'est mon soir. Il faut le répéter. Ce soir, c'est mon soir. Je veux vous entendre dire, ce soir, c'est mon soir. C'est ce que le Seigneur dit. Tu ne vous verras moi. Tu ne verras moi et vous serez sauvés. Tournez-vous vers moi et vous serez convertis. Tournez-vous vers moi et vous serez transformés. Et dit, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, il veut ôter la mauvaise vie et en faire une bonne vie. Il veut faire de la vie laide là, une vie belle. Il veut ôter, il veut prendre la personnalité là qui n'est pas bonne. Que tout le monde dit, regarde là. Regardez-le. Tout le monde dit, regarde son comportement. Ce soir, Dieu veut vous convertir. Il veut vous changer. Et vous n'êtes pas qualifié pour le ciel dans votre vie naturelle. Parce que l'homme naturel est qualifié pour le sol, pour la terre. Quelle que soit votre bonté sur la terre, quelle que soit votre douceur sur la terre, vous êtes bon pour la terre, vous n'êtes pas qualifié pour le ciel. Vous êtes bon pour la terre, mais vous n'êtes pas bon pour le ciel. Vous êtes juste pour la terre, mais vous n'êtes pas juste pour le ciel. Oui, vous devez comprendre, je comprends. Que tu es mieux que l'autre personne, tu es mieux que l'autre personne sur la terre. Mais tu n'es pas assez bon
comme ceux qui sont au ciel. Oui, quoi que tu sois meilleur que les autres de la terre, tu veux être assez bon pour être qualifié pour le ciel. Seuls ceux qui sont convertis par Jésus, convertis par le Sauveur, convertis par la main de Jésus-Christ, convertis par la puissance de Jésus-Christ, convertis et purifiés par le sang de Jésus, seuls ces gens sont assez bons pour le ciel. Et va vous rendre bon pour le ciel ce soir. Il va vous rendre bon pour le ciel ce soir. Je vais vous attendre un bon amen. Il le fera. Il le fera. Mais vous devez faire quelque chose. Tournez-vous vers moi. Détournez vos regards de toute autre chose. Les bonnes choses que vous avez faites. Les bons lieux que vous avez visités. J'ai été à Jérusalem. Il faut oublier cela ce soir. J'ai été au fleuve Jourdain. Oubliez cela ce soir. J'ai visité de bons lieux chaque je visite de bons lieux chaque dimanche. Oublions cela aujourd'hui. Et venez à Jésus. Et tournez-vous vers lui. Et soyez sauvés. Tournez-vous vers lui. Et soyez pardonnés. Tournez-vous vers lui. Et soyez transformés. Parce qu'il dit, je suis Dieu. Et je suis le Sauveur. Et il n'y en a point d'autre. Je suis le Rédempteur. Il n'y en a point d'autre. C'est pourquoi il vous appelle ce jour. C'est pourquoi il veut vous bénir aujourd'hui. C'est un appel gracieux. C'est une grande cure. Et c'est une conversion glorieuse. Il vous appelle par votre nom. Il vous appelle par votre nom. Quand il m'appelle, je lui répondrai. Quand il m'appelle, je lui répondrai. Quelqu'un là-bas va répondre ce soir. Quelqu'un là-bas répondra ce soir. Parce que le Seigneur vous appelle. Il dit viens, il dit viens, il dit viens. Et il veut toucher votre vie. Il veut vous transformer. Il veut vous pardonner les péchés. Il veut faire de votre vie assez bonne pour le ciel. Et le sang de Jésus-Christ va vous purifier de, va vous purifier comme la neige. Le sang de Jésus va totalement éradiquer vos péchés. Et ces péchés ne seront plus rappelés contre vous. Cela va se passer. Il dit, cela va se passer. Dès que vous le regardez comme votre sauveur, vous dites, mais il est mon sauveur, il est mon rédempteur, c'est lui qui va changer ma vie. En ce moment-là, le changement viendra. Dieu est prêt. Dieu est prêt. Dieu est prêt. Êtes-vous prêt? Je dis, êtes-vous prêt? Dieu est prêt. Es-tu prêt? Où es-tu si tu es prêt? Où es-tu si tu es prêt? Où es-tu si tu es prêt? Merveilleux. Êtes-vous sûr? Je dis, êtes-vous sérieux? Je dis, êtes-vous sérieux? Merveilleux. Tu peux t'asseoir. Asseyez-vous. Tête baissée, les yeux fermés. Dieu vous parle à vous en particulier. Il veut vous donner le pardon. Il veut ôter vos péchés. Il veut supprimer, laver vos péchés. Il veut changer votre vie. Il veut transformer la vie là. Il veut effacer la tache de vos péchés. Il veut ôter la souffrance de vos péchés. Il veut ôter la pénalité, la souffrance pour vos péchés. C'est pourquoi il vous appelle ce soir. C'est pourquoi il vous appelle ce soir. Et il dit, tournez-vous vers moi. Et vous serez sauvés. Tournez-vous vers moi. Et vous serez sauvés. Et il dit, toute partie du monde, partout où vous trouvez dans le monde, partout où vous trouvez sur cette terre, tournez-vous vers moi, vous serez sauvés. Si vous venez à Christ maintenant, vous voulez qu'il vous qualifie pour le ciel, vous voulez qu'il vous rende approprié pour le ciel, vous voulez qu'il vous rende digne pour le ciel, vous n'êtes pas qualifié pour le ciel, vous ne pouvez pas vous qualifier, vous n'êtes pas assez bon pour vous-même, vous connaissez votre vie, vous voulez que Jésus vous qualifie pour le ciel. Vous voulez qu'il vous pardonne. Vous voulez qu'il vous sauve. Partout où vous trouvez, vous allez lever la main. Partout où vous trouvez, vous allez lever la main. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Vous levez la main. Dites, Seigneur, je suis ici. Seigneur, me voici. Si vous levez la main, vous allez vous mettre debout. Si vous levez la main, vous allez vous tenir debout. Si vous levez la main, vous allez vous tenir debout. Si vous levez la main et vous le donnez votre vie à Christ, vous allez vous tenir debout. Vous allez dire, Seigneur,
je veux que tu me pardonnes. Dites cela. Seigneur, je veux que tu me pardonnes. Je veux que tu me laves. Je veux que tu changes ma vie. Je veux que tu me rendes assez qualifié pour le ciel. Je veux que tu me rendes digne pour le ciel. Je veux que tu me rendes juste. Confessez vos péchés au Seigneur. Dites-lui de vous pardonner. Confessez vos péchés au Seigneur. Dites-lui de vous pardonner. Dites-lui, Seigneur, je viens. Seigneur, je viens. Tournez-vous vers Dieu. J'ai le regard sur Jésus. Dites-lui. Ouvrez la bouche et priez. Dites-lui au Seigneur. Je veux ton salut. Ton propre salut. Tu m'as appelé, j'ai répondu. Tu m'as appelé et je suis venu. Tu m'as appelé et j'ai répondu. Je veux le pardon. Dites-lui. 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 Je ne suis pas assez bon pour le ciel. Dites-lui. Je veux être bon pour le ciel. Je veux être qualifié pour le ciel. Pardonne-moi. Change ma vie. Transforme ma vie. Transforme-moi. Purifie-moi. Purifie-moi. Sauve-moi de mes péchés. Et donne-moi ta grâce pour ne plus retourner à ses péchés. Le Seigneur le fera. Est-ce que vous priez? Est-ce que vous parlez au Seigneur? Dis, Seigneur, je reçois. Je te reçois. Seigneur, je te reçois. Seigneur, je viens à toi. Je crois que tu m'as pardonné maintenant. Je crois que tu as changé ma vie maintenant. Je crois que tu me rends qualifié pour le ciel maintenant. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je viens et tu me reçois. Quand vous êtes debout, levez les mains là, je vais prier pour vous. Levez ces mains là, que je prie pour vous. Père, au nom de Jésus, nous te remercions. Nous bénissons ton nom. Merci pour l'appel gracieux. Et merci pour ces gens qui se tiennent debout. Ils ont répondu à l'appel. Que tu les appelles. Seigneur, je prie que tu leur pardonnes au nom de Jésus-Christ. Ôte la honte de leur péché, l'opprobre de leur péché. Ôte le chagrin de leur péché. Ôte la souffrance de leur péché. Je prie, Seigneur, que tu effaces ces péchés de leur vie au nom de Jésus-Christ. Pardonne-leur. Rachète-les. Sauve-les. Purifie-les. Transforme-les. Change leur vie. Qu'ils soient différents aujourd'hui. Merci parce que tu es aussi. Je sais que tu les as sauvés. Je sais que tu leur as pardonné. Confie cela, Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Un autre Amen. Si vous êtes là, je dis gloire à Dieu. Si vous attendez votre guérison, je dis gloire à Dieu. Un miracle vient sur vous, je dis gloire à Dieu. Ces yeux aveugles sont sur le point de voir. Les paralytiques sont sur le point de se lever et marcher. La tumeur là est sur le point de disparaître. Quelqu'un veut un miracle, où es-tu? Vous voulez la guérison, où êtes-vous? Vous allez vous mettre debout si vous pouvez. Et vous levez la main pour votre guérison. Vous imposez la main là où vous imposez la main sur vous-même. La main où est-ce? Et l'onction va briser toujours dans votre vie. Levez la main là. Et puis, vous imposez l'autre main sur vous-même. Vous imposez l'autre main à vous-même. Nous allons prier. Comme nous allons prier, dès que vous aurez entendu le dernier Amen, ces yeux aveugles vont s'ouvrir. Lorsque vous aurez entendu le dernier Amen, vous allez sortir de ce fauteuil roulant parce que la puissance de Dieu sera là au dernier Amen. Les troubles mentaux vont disparaître. Votre montant va se déplacer. Votre temps est arrivé. Mon temps est arrivé. Mon heure est venue. Dites-le, mon heure est venue. Levez les mains là. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions pour ton peuple qui attend. Ils savent que tu peux tout faire. Ils savent que tu ne peux pas échouer. Et ils ont entendu que tu les appelles. Tournez-vous vers moi et vous serez guéris. Tournez-vous vers moi et vous serez délivrés. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés.
vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car tu es Dieu et il n'y en a point d'autre. Et ta force est ici ce soir, ta puissance est là ce soir, et l'autorité dans le nom de Jésus est ici ce soir avec nous. L'onction qui brille toujours est ici ce soir. J'envoie ta puissance sur tout le monde ici. Touche tout le monde maintenant au nom de Jésus-Christ. Brise toujours. Détruis les œuvres du diable. Manifeste ton amour à ton peuple. Aie pitié de ton peuple. Aie compassion de ton peuple. Et déplace leurs problèmes au nom de Jésus-Christ. Ces problèmes menteurs, je te commande, sors de là au nom de Jésus-Christ. La folie, sors de là au nom de Jésus-Christ. L'épilepsie, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Je commande que le cancer soit guéri au nom de Jésus-Christ. Je commande que le malade soit guéri au nom de Jésus-Christ. Tuberculose, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Le VIH, sois guéri au nom de Jésus-Christ. La faiblesse dans ton corps, sors de là au nom de Jésus-Christ. Cette personne anémiée, comme si tu ne peux pas te tenir debout, comme tu n'as pas de force, je prie que la puissance entre en toi maintenant au nom de Jésus-Christ. C'est la puissance maléfique, les démons là, qui circulent dans ton corps. Je commande à ces démons de sortir au nom de Jésus-Christ. La personne qui a reçu la flèche tirée contre toi dans le rêve, depuis là, tu souffres des choses. Je commande que ce démon-là sorte au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour ceux qui ont des maladies à l'intérieur d'eux. Je commande que l'hernie sorte au nom de Jésus-Christ. Je commande que la tumeur disparaisse au nom de Jésus-Christ. Je commande que le diabète quitte là au nom de Jésus-Christ. Je prie pour l'hypertension d'être guérie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que ces yeux aveugles s'ouvrent maintenant. Yeux aveugles, ouvrez-vous. Que les bandages du diable soient ôtés là-bas. Que le glaucome quitte là-bas. Que la cataracte quitte là-bas. Seigneur, touche les yeux aveugles. Ouvre ses yeux aveugles au nom de Jésus-Christ. Je prie pour les sourds-muets. J'envoie ta puissance dans ses oreilles sourdes. Que ses tympans prennent vie et qu'ils commencent à entendre maintenant. Que ses langues liées soient déliées, parle maintenant. Entendez le son et parlez au nom de Jésus-Christ. Je prie pour ceux qui ont des os cassés, fracturés, tout os fracturé. Je prie que le Seigneur touche vos os maintenant. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. La jambe plus courte que l'autre. Je commande que la jambe qui est plus courte là, pousse. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. La main faible là, tendez la main là. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Je prie pour ceux que la paralysie partielle touche les maintenant. Qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ. Les douleurs d'arthrite dans vos coudes, dans vos épaules, dans vos jointures, dans vos hanches. Je prie que ces douleurs d'arthrite quittent au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont paralysés d'une manière qui boite, recevez la puissance de Dieu sur vous-même maintenant. Sortez du fauteuil roulant. Sortez de ces béquilles. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Je prie pour tout le monde ici, Seigneur. À ma gauche, miracle. À ma droite, miracle. Derrière moi, des miracles. Devant moi, des miracles. Au centre, des miracles. Partout. La joie partout. La guérison partout. La délivrance partout. Des miracles partout. Confirme cela dans toute vie. Je te remercie parce que je sais que tu es aussi. Au nom de Jésus, j'ai prié. C'est arrivé. Que les aveugles ouvrent les yeux, ils peuvent voir maintenant. Vous avez béquille, jetez la béquille, vous pouvez marcher.
dans le fauteuil roulant, vous pouvez maintenant marcher maintenant, partout où vous êtes. Examinez-vous, la tumeur a disparu. Examinez-vous, la faiblesse a quitté, vous êtes maintenant fort. Vous êtes fort maintenant. Ce que vous ne pouviez pas faire, examinez-vous maintenant. Et regardez le miracle. Regardez le miracle. Et quand vous constatez le miracle, conseillez, regardez-le, et vous allez sortir qu'il est décrit.